Bonsoir, donc excusez-moi, nous sommes de nouveau sur TV et à Radio de Vie et nous sommes en direct. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes, merci pour ta fidélité. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc la charité, nous dit la parole, est l'accomplissement de la loi. Hein, donc vous pouvez méditer aussi Romains 13, 10. Voilà, alors on va répondre à la dernière question. Alors la dernière question, c'est par rapport au réveil. Qu'est-ce que c'est que le réveil? Qu'est-ce que le réveil? Qu'est-ce que le réveil? Très bonne question, mon frère Philippe. Qu'est-ce que le réveil? Alors, on entend parler ici et là, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Et qu'est-ce que le réveil? Il y en a qui disent que oui, il n'y aura pas de réveil avec cette manière de dénoncer les choses. Tout ça, c'est pas comme ça que le réveil viendra. Ce sont des impies qui parlent comme ça. Excusez-moi, mais ce sont des impies. Ce sont des personnes charnelles, des gens qui confondent l'amour de Dieu avec l'humanisme, qui confondent l'amour avec leurs propres sentiments, parce qu'ils ont été conçus dans l'utérus du catholicisme romain, dans la religion catholique, dans la religion protestante, et comme nous tous, attention, mais qui ne veulent pas sortir de là, qui préfèrent un évangile, selon eux, hein, un évangile qui soit politiquement correct. Alors ils espèrent quand même qu'il y aura le réveil, et sans pour autant, mes amis, dire les choses ouvertement. Alors c'est parce il y a la culture derrière, il y a l'influence culturelle. Donc du coup, ben, il faut ménager un peu tout le monde. Et c'est pas comme ça, mes amis. Qu'est-ce que le réveil? Eh ben, le réveil, c'est quoi? C'est une prise de conscience, c'est tout. C'est une prise de conscience. Le réveil, c'est la prise de conscience par rapport à son état personnel d'abord et par rapport à son environnement. Son état personnel et son environnement. On est conscient de son état, on est conscient de son environnement. Mais pour qu'il y ait réveil, il faut qu'il y ait aussi, mes amis, un son qui doit retentir, un chauffard, hein, ou une alarme pour nous réveiller. Bah voilà, une alarme, ça crie. Il faut qu'il y ait un cri, tout simplement. Un cri. Un cri. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Il faut qu'il y ait un cri. Et crier, c'est quoi? Dans la Bible, crier, c'est dénoncer. Il ne peut y avoir de réveil sans, bien sûr, l'appel prophétique. Ce sont des prophètes que Dieu va envoyer. Je ne parle pas des prophètes avec des titres. Je parle de l'esprit de prophète, l'esprit prophétique, l'esprit de Dieu qui vient et qui saisit n'importe qui pour aller crier, pour aller parler, pour aller dénoncer, pour aller ouvrir les yeux des gens, pour aller dire les choses ouvertement. Et sans ça, sans ce cri, pas de réveil. Le réveil, c'est une prise de conscience. Mais pour avoir cette prise de conscience, il faut qu'il y ait un cri. Et on va aller dans les Écritures, mes amis. Et d'abord, on va dans Romains chapitre 11, chapitre 13, verset 11. Romains 13, 11. La charité ne fait pas de mal. Romains 13, 11. 11. Pardon. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Même vu la saison, vu le temps. Donc vous voyez bien que ici Paul parle de son environnement, le monde. Vous voyez? Donc pour qu'il y ait réveil, il faut être conscient de l'environnement dans lequel nous sommes, nous évoluons, dans lequel nous sommes nés. C'est-à-dire le monde dans lequel nous évoluons, les événements qui s'y déroulent, sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan, mes amis, global. Donc, on prend conscience de l'état du monde. Voilà. Mais pour qu'il y ait cette conscience-là, pour qu'il y ait cette prise de conscience, il faut aussi qu'on vous dise ce qui se passe. Voilà pourquoi Paul dit, vu la saison, c'est l'heure maintenant. Ben oui, parce qu'on prend conscience de l'environnement, de son environnement, et on se dit, mais c'est le temps de se réveiller. Et Paul s'implique. Il dit, mais parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller, du sommeil. Donc, vous voyez bien que le réveil, la sortie du sommeil. Le sommeil ici peut représenter aussi la mort spirituelle, comme nos églises sont mortes aujourd'hui. Mes amis, comme le christianisme du 21e siècle est complètement paganisé, complètement dans la mort spirituelle, avec tous ces pasteurs divorcés, remariés, re-redivorcés, re-remariés, qui continuent à exercer avec cet évangile de la prospérité qui fait des rages avec ces enseignants qui font des appels pour avoir 1 million de dollars, 1 million d'euros pour acheter des terrains pour construire, soi-disant, leurs églises qui ressembleraient à des gâteaux. C'est la confusion totale. Eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui viennent et qui crient, qui parlent, qui vous montrent ces choses-là, qui vous disent voilà ce qui se passe, pour que vous preniez conscience. Sans ces hommes et ces femmes qui viennent pour crier, il n'y aura pas, bien sûr, de réveil. Parce que Dieu, quand il réveille quelqu'un, quand il ouvre les yeux sur son état, sur son environnement, la personne ne va pas rester la bouche fermée, elle doit parler.
Et quand les gens commencent à parler, la personne commence à parler, les religieux viennent pour dire tais-toi. Tais-toi, il faut la sagesse. Ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Donc, le réveil est biblique. Le réveil, Paul s'implique. Il dit qu'il lui-même devait se réveiller. Donc, le réveil, c'est tout le temps que Dieu nous réveille, mes amis. Tout le temps que Dieu nous réveille. Donc, le réveil, c'est une prise de conscience. Le réveil, c'est être conscient de son état personnel de péché, hein, d'apathie spirituelle, de mélange spirituel, et ensuite de son environnement, ses collaborateurs, ses copains, ses amis, ses fréquentations, mes amis, son assemblée locale, les enseignements qui y sont apportés, les doctrines auxquelles on était attaché, mais on prend conscience que toutes ces choses-là, eh ben, ne cadraient pas avec les Écritures, eh ben, une prise de conscience. Et quand on a pris conscience comme ça, on ne va pas se taire et on va parler. Eh ben voilà, c'est comme ça que le réveil va commencer, mes amis. C'est une prise de conscience, il y a la parole qui va avec, et cette parole, ça va être un cri. Un cri, voilà, un cri. Et nous sommes dans Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe 58, verset 1er. 58, verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard, et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, dit Dieu. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un chauffard. Un chauffard, on sait ce que c'est, mes amis. La corne, hein, de bélier. Donc il fallait prendre cette corne-là et souffler dedans. Vous voyez, le réveil, c'est le souffle de Dieu qui vient et qui nous secoue, qui nous bouleverse. Et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. C'est ça, mes amis. Ça commence comme ça, le réveil. C'est le cri qui vient et qui dit aux gens, ça, c'est le péché. Ça, c'est le mal. Ça, c'est une fausse doctrine. Vous voulez le réveil en France, en Europe? Eh bien, il faut crier, il faut parler. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous dire, non, mais il faut la sagesse. Arrêtez cet évangile édulcoré, ce mélange, cet évangile qui caresse les gens dans le sens du poil, mes amis. Non, ça, c'est pas l'évangile, mes amis. Et Dieu dit, annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés, car ils me cherchent tous les jours. Ils prennent plaisir à connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné les ordonnances de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes. Ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu. Et puis, ils disent, pourquoi jeûnons-nous? Tu ne le vois pas. Pourquoi affligeons-nous nos âmes? Tu ne le sais pas. Voici le jour de votre jeûne. Vous trouvez votre plaisir. Vous oppressés, et l'équipe, s'il vous plaît, au niveau du tableau, on va se réveiller un peu quand même, là, on a besoin de se réveiller aussi. La lecture. Voilà, donc là aussi, au niveau de l'équipe technique, il faut le réveil, voilà. Une prise de conscience. Donc, voici le jour de votre jeûne, vous trouvez votre plaisir et vous oppressez tous vos travailleurs. Voici, vous jeûnez pour faire de querelles et vous disputez et pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit exaucée d'en haut. Voilà. Donc, Dieu appelle Ésaïe au 8e siècle comme prophète dans une période où il y avait le péché, où il y avait le mal. Israël était tombé dans l'apostasie. Et Dieu lui dit, sois comme un chauffard, sois comme une trompette. Voilà, mes amis. Les instruments que Dieu peut utiliser pour amener le réveil. Des hommes et des femmes qui vont se mettre à crier partout et qui ne vont pas se taire parce que Dieu a mis en eux le souffle divin, mes amis. Et nous sommes dans le livre de Jonas. On connaît Jonas. Chapitre 1er. Voilà. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car leur malice est montée jusqu'à moi. Aha! Lève-toi, va à Nénive, la grande ville. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut caresser? Non, crie contre elle. Crie contre elle. Pourquoi? Parce que leur malice, leur méchanceté est montée jusqu'à moi, dit Yahweh. Voilà, mes amis, on connaît l'histoire, on connaît la suite. Il y a eu un grand réveil, même des animaux avaient porté des sacs pour pouvoir se repentir, du roi jusqu'aux serviteurs, jusqu'aux esclaves, tout le monde s'était repenti. Et c'était, mes amis, un puissant réveil. Toute une nation s'était réveillée. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu crier. Quelqu'un est venu dénoncer le péché. Quelqu'un est venu parler de la repentance, de la conversion. Des messagers clairs et nets étaient envoyés à chaque fois. Vous voulez le réveil? Vous voulez vous taire? Vous avez peur de parler? Eh bien, il n'y aura pas le réveil. Vous voulez vous aligner derrière Babylone? C'est votre problème.
Vous voulez caresser les gens dans le sens du poil, c'est votre problème. Le péché, c'est le péché. Masturbation, la masturbation est un péché. La convoitise est un péché. L'homosexualité est un péché, comme la parole le dit. C'est pas moi qui le dis. Tout ça là, c'est le péché. Il faut dire les choses. Dieu aime les homosexuels, mais Dieu est contre l'homosexualité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit, mes amis. Voilà. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. C'est le cas aujourd'hui, d'accord, de nos assemblées. Or, à minuit, il se fit un cri, disant, voici l'époux, viens aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Comment voulez-vous que les gens se préparent leurs lampes, c'est-à-dire reviennent à la parole de Dieu, la parole pure, s'il n'y a pas de cri? Comment voulez-vous que les églises se réveillent, les véritables enfants de Dieu se réveillent pour le retour du Machia? Comment voulez-vous qu'ils prennent conscience par rapport au retour du Machia s'il n'y a pas de cri? S'il n'y a pas des hommes et des femmes que tu appelles pour crier? Et des chrétiens veulent qu'ils se taisent. Non, il faut la sagesse. Non, c'est du lynchage médiatique. Ah bon? Ah bon? Si votre fille est violée, vous allez vous taire? Si un faux pasteur viole votre enfant, vous allez vous taire, vous allez dire que non, c'est du lynchage médiatique? Ah ben ouais, ça c'est nouveau ça. Hein? Ah ben non, mais le réveil ne viendra pas comme ça parce qu'un prophète américain a dit que c'est pas par la dénonciation que les choses vont venir. Ah bon? Et c'est le prophète maintenant qui remplace la Bible ou c'est Dieu que l'on doit écouter? Hein? Vous préférez suivre les visions de vos prophètes américains plutôt que de vérifier dans la parole du Seigneur? Voilà ces femmes qui parlent comme ça, qui ne sont pas mariées et qui sont tout le temps sur Internet en train de commenter ici et là, qui s'ennuient. Hein, qui vont de maison à maison. Ces femmes-là, elles méritent plutôt de se marier pour être un peu posées, hein, être moins présentes sur le net, parce que ce sont de véritables Jézabel qui, au lieu de s'occuper de leurs enfants, elles sont occupées à aller partout à gauche à droite pour aller commenter. C'est de véritables Jézabel et je plains leur mari. Voilà. Ils veulent le réveil, mais ils ne veulent pas payer le prix, hein, ces hommes et ces femmes. Comme on dit souvent, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Donc vous voulez manger les omelettes, mais vous ne voulez pas casser les œufs, vous voulez que les choses se fassent à votre manière. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu dénonce le mal à chaque fois. Voilà, c'est comme ça, mes amis, que les choses se font. Oui, il y a la prière, mais aussi des gens qui se lèvent pour aller crier, pour aller parler. Ils ne condamnent pas les hommes, ils condamnent les actes de ces hommes-là. Voilà, et ce sont c'est leurs propres actes qui les condamnent. Mais le péché doit être cité nommément, dénoncer énormément, la repentance doit être proclamée véritablement. Sans la repentance, il n'y a pas le réveil, mes amis. Il n'y a pas le réveil. La parole est claire là-dessus. Et à minuit, quelqu'un est venu crier. Crier, on n'a pas dit quelqu'un est venu enseigner. Crier. Nous sommes à l'époque du cri. Hein? Oui, il faut enseigner, mais l'enseignement, là, c'est le cri. Pourquoi? Parce que les gens dorment. Les gens sont envoûtés, les chrétiens sont envoûtés, ils sont attachés aux bâtiments, ils sont en train de construire leurs propres empires avec leurs immeubles, leurs bâtiments qui vont abriter 5 000, 10 000 personnes. Mes amis, ils prennent pour exemple les prédicateurs qui sont en Asie, aux États-Unis, au lieu de se référer à cette parole du Seigneur. Nous sommes dans une génération où la parole de Dieu est devenue rare, la vérité a disparu. Elle s'est retirée de la bouche de beaucoup de docteurs qui préfèrent la connaissance selon les hommes, qui préfèrent leur tradition, qui préfèrent, mes amis, suivre les hommes, qui préfèrent appeler les gens chez eux plutôt que d'amener les gens vers le Seigneur et qui ne veulent plus payer le prix, qui ont peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, qui ont peur de quand diront-on, au lieu de se soumettre au Seigneur. Mais il faut le crier. Oui, vous direz, mais oui, mais il faut crier une fois et passer à autre chose. Non, tout le temps, et Jérémie a crié pendant 23 ans. Il a crié, il a dénoncé le mal. Ben oui frère, c'est comme ça, Dieu fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont appelés à crier, d'autres à faire autre chose, et chacun doit faire ce que Dieu lui demande à faire. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc à minuit, nous sommes à minuit, et il faut crier. Paul dit, vu la saison, quelle saison? Ben il est minuit. Il est minuit, c'est le péché dans son paroxysme. Vous avez vu tous ces attentats, on tue facilement aujourd'hui. Comment quelqu'un qui va sortir de chez lui va prendre un camion pour aller écraser des gens comme ça, écraser des enfants? Vous trouvez ça normal? Et on doit se taire? Non, mes amis, non. Un pays qui vous reçoit, un pays qui vous nourrit, et vous allez prendre des véhicules pour aller écraser les gens? Qu'est-ce que ces gens ont fait pour être écrasés? Et comme le Seigneur le disait dans Luc chapitre 13, ces gens sur lesquels la tour de Siloé était tombée, où les gens dont Pilate avait mêlé leur sang avec leur sacrifice, vous pensez que c'était plus pécheur que vous? Non, si vous ne vous repentez pas, le Seigneur disait, eh bien vous mourrez tous également. Oui, il faut prêcher la repentance. Oui, c'est le temps de prêcher la repentance, la sanctification, la crainte de Dieu, le salut. Vous voulez qu'on se taise quand on voit des pasteurs qui font des livres, qui vendent ces livres 40 euros, 60 euros, et qui font des autographes, mes amis?
qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise quand on voit ces pasteurs qui couchent avec des jeunes filles? Vous voulez qu'on se taise quand on voit ces jeunes femmes chrétiennes qui divorcent, que ces Romains qui font des avortements? Vous voulez qu'on se taise quand on voit ces enfants qui sont écrasés comme à Nice? Qu'on se taise, mes amis, c'est ça Dieu? Non, on ne va pas se taire. Il faut dire aux hommes et aux femmes, oui, nous sommes arrivés à la fin. Il faut dire également à nos dirigeants, ben oui, il est temps de chercher véritablement le Seigneur aussi, parce que le Seigneur revient. Oui, frères et sœurs, vu la saison, quelle saison? Ben, c'est le gouvernement mondial. Quelle saison? Eh ben, c'est chacun pour soi, chacun cherche ses intérêts. Quelle saison? Chacun veut bâtir son empire chez lui à la maison. Chacun veut faire son ministère au lieu de voir l'intérêt de Christ. Les âmes qui sont violées, qui sont dépouillées, chacun veut faire son ministère. Hein? Quelle saison? Eh ben, c'est la saison de la confusion, l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, l'homme qui devient Dieu. On vous enseigne que l'homme est Dieu. L'homme est Dieu, vous êtes des champions, alors que vous êtes dans la publicité de l'adultère. Vous voulez qu'on se taise, frères et sœurs, quand on prêche aux enfants du Seigneur, que s'ils ne payent pas la dîme, qu'ils ne sont pas bénis, alors que Éphésiens 1:3 nous dit que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels, les lieux célestes en Christ. Hein? Vous voulez qu'on se taise quand on condamne les gens parce qu'ils n'ont pas l'argent, quand on condamne les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les séminaires payants, pour payer les conférences payantes, pour payer les concerts des chantres avec du gospel à l'américaine, du gospel charnel payant. Vous voulez qu'on se taise, mes amis? Eh bien, c'est pas possible. Si vous vous taisez, eh ben nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à crier. Le Seigneur disait, si vous vous taisez, ces pierres crieront. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le maître qui l'a dit. Et je ne veux pas, mes amis, être disqualifié. Je veux obéir à mon Dieu. Vous voulez obéir aux hommes, vous serez disqualifiés. Obéissez au Seigneur, mes amis. Obéissez au Seigneur. Criez, si Dieu vous dit de crier. Tout en priant pour ces hommes et ces femmes, ceux qui sont encore sauvables, ceux qui sont encore récupérables, mes amis, que Dieu les récupère. Vous voulez qu'on se taise quand on voit cette grande babylonisation, quand on voit cette grande, mes amis, collaboration des impies, des pasteurs impies qui s'associent, mes amis, pour asseoir leur gouvernement, pour asseoir leurs empires, qu'on se taise? Non, on ne va pas se taire. Même si on doit fermer nos locaux, ce n'est pas un problème. On continuera à parler. Voilà. De toute façon, ceux et celles dans la Bible qui criaient étaient solitaires. Jérémie était seul, Ésaïe était seul, Michée était seul face à 400 faux prophètes de Baal. Mes amis, tous ces gens qui criaient étaient seuls. Et on voulait qu'ils soient comme tout le monde. Et ils refusaient de s'aligner. Ils refusaient de marcher avec tout le monde. Ils étaient à contre-courant, à contre-vent. Et ils criaient. Oui, il faut crier. Quand on voit ces jeunes femmes chrétiennes, ces femmes chrétiennes soi-disant qui sont en caleçon, mes amis, en short, mes amis, dans nos assemblées, des décolletés profonds, on voit leur poitrine. Oui, il faut crier, mes amis, parce que c'est le temps de la confusion spirituelle. Nous sommes dans une époque où la vérité a disparu. On caresse les gens dans le sens du poil parce que ces prédicateurs veulent avoir leur salaire, pensent plutôt à leur ventre qu'au lieu de prêcher la vérité pour amener les gens vers le Seigneur. Vous voulez qu'on se taise quand on dit aux gens qu'il y a trois dieux, trois personnes en Dieu? On ne peut plus se taire, mes amis, ce n'est pas possible. Oui, il faut parler, oui, il faut crier. On nous dit Yeshua, c'est l'époque du cri. Voilà, crier quoi? Crier, voici l'époux, il revient, ben voici l'époux, il revient, l'époux, il est saint. Il revient chercher une église glorieuse, ben il faut parler, mes amis, de la sainteté. Il revient chercher une église sainte, il faut parler de la sanctification, il faut parler de la crainte de Dieu. Oui, ceux qui seront enlevés, ceux qui partiront avec le Seigneur, ce sont ceux et celles qui se sanctifient. Voilà le message, la croix, oui, mais pas la compromission. La croix, oui, pas, mes amis, le mélange. La sainteté, oui, pas le mélange, mes amis. La solitude, oui, et pas, mes amis, la collaboration avec les impies. C'est ça le message, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On crie, il faut crier. Jean-Baptiste est venu, il a crié. Repentez-vous, il disait, car le royaume des cieux est proche. Et bien, c'est le même message qu'il faut prêcher aujourd'hui. Repentons-nous, préparons-nous, sanctifions-nous, car le royaume approche, car le monde va mal. Il y a une autre alternative. Il y a l'espérance, mes amis, pour ceux et celles qui espèrent en Dieu. Dieu est le seul être qui doit être adoré, loué, magnifié, glorifié. Le seul devant lequel nous devons nous agenouiller. On ne doit pas s'agenouiller devant les hommes. C'est ça le message, mes amis, frères et sœurs. Oui, crier quoi? Crier qu'il y a une seule église, l'église véritable du Seigneur qui est composée des gens de toutes nationalités, juifs, grecs, hommes et femmes, arabes, métis, noirs, africains, indiens, asiatiques, les gens, les hommes et des femmes des îles qui ont confessé Yeshua et qui l'ont reçu dans leur cœur. Crier quoi? Crier qu'il y a un seul berger, il y a un seul pasteur véritable, il y a un seul apôtre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Crier quoi? Crier, mes amis, que seul Yeshua sauve, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message qu'il faut annoncer. Prier quoi? Bénir ses ennemis. Prier pour ceux qui nous persécutent. C'est ça le message, mes amis. Et surtout, dénoncer les pratiques des faux pasteurs qui égarent le peuple pour ne pas que les chrétiens soient aveuglés, pour qu'ils aient la connaissance sur les gens qui les enseignent, les gens qui les suivent. C'est ça le message, mes amis. Que Dieu soit béni. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler. Et le réveil, on a vu Zacharie, dans Zacharie chapitre 1, par exemple. Il était prophète et il a aussi été réveillé. Ben oui.
on peut être prophète, apôtre et aussi être réveillé. Comme les 10 vierges qui, mes amis, représentent la véritable église pour les 5, avec les 5 sages et l'église paganisée, l'église babylonisée avec les 5 folles. Et toutes ces vierges s'étaient assoupies, endormies et elles ont été réveillées. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a crié. Il faut crier pour que les gens se réveillent. Donc ne laissez personne vous museler, vous faire taire. Hein? Donc quitte à vous séparer d'avec vos collaborateurs, faites-le, mes amis. Restez seul avec Dieu et continuez à crier et Dieu vous justifiera au nom de Yeshua. Paul disait, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu ? Voilà, ces gens-là qui vous empêchent de crier, demandez-leur, ils ont fait quoi ? Ils font quoi ? Ils ont dirigé les églises de maison, dans leur maison. Ça a produit quoi aujourd'hui ? Rien, rien. Les gens sont dispersés, détruits, blessés, dispersés ici et là. Aucun fruit. Aucun fruit. Ce sont des ministères de YouTube. C'est facile, YouTube, tout le monde peut faire des vidéos, c'est facile. Tout le monde peut dire, là, j'ai le ministère devant sa caméra, s'exciter comme ça, et voilà, je vais enseigner maintenant. C'est facile, tout le monde peut faire ça. Mais c'est Dieu qui appelle. L'onction, c'est ça qui fait la différence, mes amis. Voilà. Et l'onction, on ne va pas la voir parce qu'on est sur YouTube. Si vous pouvez nous appeler, donc il n'y a pas de souci. Zacharie, chapitre 1, on va le lire. Le 8e mois de la 2e année de Darius, la parole de Yahweh vint à Zacharie, le prophète, fils de Berekia, fils d'Ido, en disant « Yahweh a été irrité, il a été irrité contre vos pères. C'est pourquoi tu leur diras, ainsi parle Yahweh des armées. Revenez à moi, dit Yahweh des armées, et je reviendrai à vous. » Voilà, Zacharie se levait, suscité par Dieu, et il a crié, il a prêché la repentance. Hein? Il a prêché la repentance. Et nous sommes dans Michée, Agé, chapitre 2, chapitre 1er. Ouais. Agé, chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de Yahweh vint par le moyen d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, en ces mots. Ainsi parle Yahweh des armées en disant, « Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. C'est pourquoi la parole de Yahweh vint par le moyen d'Agé, le prophète, en disant, « Est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrisées pendant que cette maison est en ruine ?» Ah, c'est le temps. Quel temps ? Quel message ? Voilà, quel temps ? Il faut discerner le temps. Les faux prophètes ne discernent pas le temps. Ils sont accrochés au monde. Ils vont parler du ciel, mais quel ciel ? Ils n'y sont pas. Donc, quel temps et quel message ? Ce n'est pas le temps de caresser les gens, c'est le temps de dire la vérité, toute la vérité aux frères et sœurs, et dénoncer le mal avec force. Dénoncer les faux avec force. Pourquoi ? Parce que c'est le temps, parce que les enfants de Dieu, beaucoup sont en ruine. Beaucoup de chrétiens sont ruinés. Financièrement, ils sont dépouillés, ils sont ruinés. Des jeunes femmes violées, tout ça. Des familles brisées. Et c'est le temps, justement, de crier. Voilà. Et si vous n'avez pas la force pour le faire, n'empêchez pas ceux qui sont appelés par le Seigneur pour faire cela, pour crier, de le faire. Ne les empêchez pas. Et on continue au chapitre 2 de Agé, mes amis, au niveau de l'équipe technique, s'il vous plaît, secouez-vous un peu. Hein? Le 28e jour du 7e mois, la parole de Yahweh vint par le moyen d'Agé, le prophète, en disant « Parle maintenant à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, en disant « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire ? Et comment la voyez-vous maintenant ? N'est-elle pas comme un rien devant vos yeux, ah, au prix de celle-là ?» Vous voyez ? Regardez l'église primitive, la gloire qui se manifestait. Donnez-moi le nom d'un apôtre dans la Bible qui a pris la dîme de quelqu'un. Donnez-moi le nom d'un apôtre dans la Bible qui a marié quelqu'un, qui a imposé les mains pour bénir un mariage. Il n'y a pas. Donnez-moi le nom d'un apôtre qui a fait un appel pour construire une église, un bâtiment avec des briques. Hein? Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un apôtre, mes amis, qui a consacré sa femme pasteur. Il n'y a pas. Donc vous voyez, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades, les possédés étaient délivrés. Ananias et Saphira, ils ont menti, Dieu les a foudroyés, frappés. Ah, mes amis, Pierre, Paul, Jacques, Jean, ils ont dénoncé le mal. Ils ont combattu contre les faux docteurs.
Ils ont dénoncé les gens comme, comme Alexandre le Forgeron, comme Philette. Ils ont dénoncé ces faux docteurs, mes amis. Et aujourd'hui, que font les apôtres d'aujourd'hui? Ils vont de ville en ville en costard et cravate, faisant des appels de fonds, roulant dans des 4x4 climatisés, 4x4, mes amis, avec des énormes, une seule roue, c'est au moins 1000 euros, 800 euros. Hein? Et mes amis, comparez les apôtres de la Bible et les apôtres d'aujourd'hui. Comparez les prophètes d'aujourd'hui qui sont là pour prophétiser parce qu'on leur met quelque chose sous la dent. Hein? Comparez ces pasteurs d'aujourd'hui et ceux de la Bible. Vous voyez, il y a une différence. C'est deux choses diamétralement opposées. Et vous voulez qu'on se taise? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. On continue, mes amis. On descend encore dans Zacharie là-bas. L'équipe est restée sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, on continue à descendre. Voilà. Et Dieu, et on continue à descendre encore. Ok. Voilà. Donc, ouais, on va prendre Zacharie, effectivement, et où on dit que Dieu va réveiller l'esprit de Zacharie. Tu peux y aller, Philippe. Zacharie, on va voir à partir du chapitre, verset 2, je crois, là. On y va, là. Merci, Seigneur. Donc, on a quelqu'un en ligne d'abord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chura. Oui. J'appelle de Montréal. Donc, je voudrais intervenir par rapport à la question du réveil. Donc, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Dieu pour le message que vous faites passer depuis un certain temps, surtout aujourd'hui, le message sur la grâce, l'amour et puis le réveil, parce que nous en avons besoin. Il est plus que temps que nous nous réveillons de notre sommeil. Donc, j'ai ce passage de 2 Chroniques 7 à 14 qui dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc on voit bien ici qu'avec le réveil, Dieu, le but du réveil aussi, c'est que Dieu il veut nous exaucer, il veut pardonner notre pays, notre péché, guérir notre pays, guérir en fait la terre entière hein, qui est malade du péché. Et la condition, c'est de se détourner de ses mauvaises voies. Donc sans la repentance, on ne pourra jamais parvenir au réveil. Donc la repentance vient avec, comme vous le disiez, le dénoncement du mal, du péché, sans aucune compromission. Donc moi, je voudrais juste vous encourager. Je sens dans votre voix depuis un certain temps beaucoup de courroux. Soyez fortifiés. J'ai fait un songe récemment, mais j'attends que vous veniez. Je sais que vous venez à Toronto bientôt. Et je vais pouvoir vous le dire de vive voix, juste pour que vous sachiez que Dieu nous voit tous et le combat que vous menez n'est pas vain. N'est pas vain. Et vous êtes en train de nous réveiller ici au Canada. Donc voilà, nous sommes à fond et avec ça, nous aussi, ça nous aide à pouvoir sortir de l'esclavage du péché et puis des hommes. Donc, nous décidons plus que jamais de nous détourner de nos mauvaises voies, afin que nous puissions voir la même puissance de Dieu agir et que nous vivions réellement ce Dieu, qu'on ne le lise pas juste dans la Bible, mais qu'on voit qu'il est encore vivant aujourd'hui et qu'il n'a pas changé. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au réveil et puis vous remercier encore une fois pour tout ce que vous faites. Que Dieu soit béni, c'est lui qui nous aide, hein, donc vraiment toute la gloire lui soit rendue. Merci ma sœur et bonne continuation. Au revoir. Voilà, donc dans Zacharie 2, 6, Dieu dit quoi? Ah, fuyez, dit Yahweh, fuyez, hein, fuyez hors du pays du Nord. Voilà, donc Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone, de courir, de fuir carrément là, mes amis. Donc c'est ça le message qu'il faut annoncer. Et il est dit dans Apocalypse 18, 4, mon peuple, sortez du milieu de Babylone, sortez, fuyez. Et c'est pas moi qui le dis, mes amis, c'est ça le message, il faut fuir. Et Babylone, ce n'est pas seulement un bâtiment. Babylone, ce n'est pas seulement... C'est dans le cœur des hommes. Donc, tous les jours, Dieu nous sort de Babylone. Nous tous, tous les jours, il nous sort. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Donc, vous pouvez continuer à nous appeler. Nous avons encore 5 minutes, si vous le souhaitez. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Voilà, on a quelqu'un en ligne. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Allô.
Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour à Tiguette en Belgique. Au fait, j'appelais pour intervenir. Vraiment, je voulais bénir le Seigneur pour ce que vous faites. Et je voulais aussi vraiment aller dans le sens de la prédication de ce soir. Donc, la grâce, le réveil, la repentance. Je voulais partager au fait un verset dans Marc 1. Ok, oui. Au chapitre 1, au verset 14. Donc, or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Au fait, je voulais vraiment dire que les chrétiens doivent se repentir. Parce que il y a trop d'abus. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent au sein de ceux qui se disent chrétiens. Les gens se cachent au fait derrière l'évangile. Je ne vise pas une personne bien précise, mais j'interpelle le corps du Christ parce que c'est trop. C'est vraiment des choses que ces gens-là pensent faire en cachette, mais ils oublient que Dieu voit tout au fait. Nous ne devons pas agir comme devant rendre des comptes aux hommes, mais comme devant rendre des comptes à Dieu. Dieu est lumière et il voit tout. En fait, je voulais partager aussi une expérience que Dieu m'a fait vivre parce qu'il m'a fait grâce de le recevoir en 2012, sachant que je suis née dans une famille, on disait catholique, mais je suis chrétienne parce que j'ai rencontré Jésus depuis ma petite enfance. Je connais que l'évangile de Jésus, donc je n'ai que connu Jésus malgré... Est-ce que Vincent, tu peux abréger un peu parce qu'on a très peu de temps? En fait, je voulais dire par rapport à ça, en fait, Dieu m'a fait entendre les murmures des gens contre moi. C'est vraiment pour interpeller les chrétiens à vivre l'évangile. Jésus revient et par ces temps, nous devons nous réveiller, nous devons mettre en pratique la parole. Il y a des gens qui agissent en cachette, mais Dieu voit tout. Et quand il arrive au moment où Dieu rend justice dans la vie de quelqu'un, tout ce qui a été fait dans les ténèbres, tout ce qui a été dit, les calomnies, la médisance et tout ça, en fait, Dieu le révèle à la personne. Donc, c'est vraiment pour exhorter à nous humilier sous la puissante main de Dieu, comme la parole nous le dit, à vraiment revenir à Christ, à nous repentir. Merci, merci ma sœur, comme on a très peu de temps. C'est très important. Mais, allô? Parce que... Allô? Allô? Oui, on a très peu de temps, donc il faut vraiment abréger, s'il te plaît, parce qu'on va finir là. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais partager. Merci. La repentance, parce que Jésus revient. Merci, on a compris, merci. Le réveil ne se fera pas sans la repentance. Merci, on a compris, merci, au revoir. Ok, donc on va finir avec un passage dans AG, chapitre 1, verset 14, verset 12 et au verset 14. Zorobabel donc, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple entendirent la voix de Yahweh, leur Dieu, et les paroles d'AG, le prophète, ainsi que Yahweh, leur Dieu, l'avait envoyé. Et le peuple eut de la crainte devant Yahweh. Ah! Donc comment voulez-vous que les gens craignent Dieu s'ils n'entendent pas la vraie parole? Et là on nous dit que et le grand prêtre, et Zorobabel le gouverneur, hein, et Josué, donc le grand prêtre, hein, donc, et le peuple, tous, ils ont entendu la voix de Dieu, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, ainsi que Yahweh leur Dieu l'avait envoyé. Et la parole nous dit que le peuple eut de la crainte devant Yahweh. La foi vient de ce qu'on entend. Et Agé, messager de Yahweh, parla au peuple suivant le message de Yahweh en disant... Je suis avec vous, dit Yahweh. Et Yahweh, qu'est-ce que Yahweh va faire? Yahweh réveilla l'esprit de Zorobabel. Zorobabel, c'est qui? C'était le gouverneur, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre. Même le grand prêtre devait être réveillé. Et l'esprit de tout le peuple, hein, tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de Yahweh, leur Dieu. Et comment voulez-vous que les gens travaillent pour Dieu s'ils ne sont pas réveillés? Comment voulez-vous que les gens procèdent à la réforme de nos cœurs, des assemblées, s'il n'y a pas le réveil, s'il n'y a pas une prise de conscience? Donc le réveil, c'est une affaire de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend, hein, qui va arriver, on attend un grand réveil, ce n'est pas ça. Dieu peut le faire, mais ce n'est pas ça. C'est une prise de conscience personnelle d'abord, chaque jour, hein, au sein de son foyer, avec ses enfants, avec sa femme, avec vos maris, tout ça. C'est tous les jours que nous nous réveillons.
comme tous les jours nous dormons, nous nous réveillons, tous les jours Dieu nous réveille. C'est au fur et à mesure que nous grandissons jusqu'au retour du Mashiach. Et ensuite, ce réveil personnel peut aussi affecter notre entourage, peut aussi affecter une communauté, peut aussi affecter tout un pays, comme dans les Écritures, comme on peut le voir ici et là. Donc, prenons conscience tous les jours de notre état, de notre environnement, en acceptant la parole véritable, même si elle paraît dure. Acceptons-la, bénissons Dieu et dénoncer, ce n'est pas condamner les hommes, dénoncer, c'est condamner les pratiques des hommes. Et ce sont ces pratiques-là qui les condamnent, qui condamnent ces hommes-là. Donc, maintenant, que le Seigneur soit béni, mes amis. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Que Dieu vous garde. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.